Séance de témoignage. Merci beaucoup, Laurent. Bonjour. Adassa, merci. Natacha, bonjour. Tu m'as déjà envoyé l'argent du biscuit. C'est fini dans le papier. Je vais partager les témoignages avec vous. Ok? Vous y va encore. Je vais très bien. Merci. Bonjour Natacha. Et vous voulez vous dire c'est quoi? Top. Je vais vous lire le témoignage d'une dame. Elle me contacte dimanche. Mais d'abord le 10, elle m'écrit. Alice, on est lié bien sûr. Elle me dit qu'elle vient témoigner de l'éveil spirituel qu'elle a reçu depuis un moment. Elle dit que je sais déjà que quand on veut me faire quelque chose, je peux même identifier la personne. Le 28, elle m'écrit. Elle me dit, elle est enceinte, elle est en train de perdre l'enfant. Elle est en train de perdre l'enfant. Jeune de 3 jours avec le thé. C'est normal que ça fasse mal à la tête, oui. On a son message. Je viens te libérer. Maman, bonjour. Excuse-moi de garder le matin. Je suis dans une petite urgence là. Je suis à 5 mois de grossesse, comme je t'avais dit, et j'ai commencé à perdre les os.
Ah, c'est pas... Voilà. Elle commence à perdre les os. On est le 28. Le 28, je pense que c'était un dimanche. C'est-à-dire qu'il n'y avait presque personne au bureau. Et donc, envoyer qu'on lui donne l'huile de blindage et le sel. Je vais préciser que l'huile de blindage va vous servir. Vous coupez la barrière. Pour mettre, pour lever la barrière, voilà. Entre vous, votre enfant, votre toute partie de votre corps sur laquelle vous mettez l'huile de blindage. Et le malin. C'est en voulant faire le jeu que je me rends compte que et pas voir le Decepticon. Sur ma page, qui écoute sa voix. Je ne pense pas qu'elle fait jouer jusqu'au bout. Donc ce dimanche-là, elle m'a écrit à 6h20. Elle est en train de perdre les os. 7h, je vois le message. J'envoie donc, on va déposer. Elle a reçu ça à 9h. L'huile de blindage avec le sel. Après, elle me raconte que elle était à l'hôpital quelque part là-bas, ben, l'hôpital, la montée des soeurs là. Après, la banque m'a dit que nous, elle va perdre l'enfant. Il n'y a rien à faire. Elle reçoit l'huile, elle met d'abord son ventre. Elle commence à marcher, mais elle dit que non, elle ne peut pas rester là-bas. Il faut qu'elle parte dans un autre hôpital. Elle prend un premier taxi. En route, le taxi se gâte. Quand les gens vous cherchent, elle sort du premier taxi là. Elle prend un deuxième taxi. Elle arrive à l'hôpital. Vous savez qu'il y a les hôpitaux, quand tu arrives, tu vas laisser la caution à la caisse avant qu'on ne te prenne en interne. Elle dit qu'elle a d'abord tourné 3 fois à l'hôpital pour chercher la maternité, alors que la maternité est à l'entrée de l'hôpital. Demain, quand elle trouve, elle arrive devant le gynéco. On dit que non, on ne peut même pas la recevoir, il n'y a plus de place. Elle dit que vous avez menti. Elle s'assoit. Que tout est dans tout. Vous allez me prendre aujourd'hui. Mais normalement, il commence à poser des questions. Il voit, peut dire ok. Le docteur fait la note. Il dit qu'elle ne paye pas la caution. Elle va à la caisse avec la note. Là, on lui donne une place dans l'hôpital. Vous savez, quand vous venez avec un cas critique comme ça, on commence à lui dire que non. Il faut déjà qu'on perce la poche totalement. Il faut qu'on annule la grossesse parce que ça peut te tuer, ça peut tuer l'enfant. Vous me suivez même. Chérie, j'ai demandé fatigué qu'on cherche la vidéo de ta fille ici. On ne sait pas si elle a récemment bloqué ou pas. On ne trouve pas. Ok, vous me suivez. Premier jour, on négocie avec elle pour qu'elle accepte qu'on arrête la grossesse. Elle dit jamais. Elle prend l'huile de blindage. Elle ouvre sur son ventre. Elle parle. Elle parle. Deuxième jour, l'eau arrête de couler. Troisième jour, les médecins viennent eux-mêmes et disent que hey, la poche est en train de se restaurer seule. Donc, comme la poche était en train de se percer là, ce qui était après s'abîmer en train de se restaurer sur sa grossesse, seule. Une semaine plus tard, ils disent que tout ce qu'elle a fait,
C'est vraiment manger, se coucher, dormir. Donc, quand elle m'a fait le voice aujourd'hui, ça fait exactement une semaine qu'elle avait été attaquée. Elle dit, maman, voilà le témoignage pour mon enfant. Et elle dit que quand elle était là découragée, elle disait, jamais. C'est Dieu qui m'a donné l'enfant. Il m'a donné l'enfant. Il m'a dit que l'enfant, ça va arriver jusqu'au bout. Il y a des choses dans votre vie que vous allez vous battre pour avoir. C'est une chose que quand tu as, on va finir. Tu vas te battre pour conserver. Me suivez. Est-ce que l'ennemi connaît ce que ça il connaît comment enfanter, il ne connaît pas. L'ennemi ne connaît pas comment donner la vie. Tout ce qu'il sait faire, c'est tuer, prendre, voler. Maintenant, si toi, tu ne connais pas. Parce que parfois, l'ennemi peut. Il ne t'empêche pas d'aller en bain. Et tu arrives en bain, tu passes 10 ans sans papier. Il ne t'empêche pas de te marier. Tu te maries 2 mois plus tard, ton mari ne te laisse pas. Vous savez qu'il y a souvent vos belles-mères qui partent. Les femmes de vos pères. Là. Les femmes de vos pères qui sont les méchantes. Comme là. Mm-hmm. Les mères de vos maris. Les belles-mères qui sont. Mm-hmm. Elle passe le marabout, elle n'a pas peur de te bloquer. Donc oui. Comme elle est dans le mariage, c'est comme ça. Là, tout ce qu'ils vont faire, ce sera seulement à mon fils. Tout ce qu'ils vont construire ensemble, ça va revenir à mon fils. Voilà comment te bloquer. Tu vas aller au milieu. Ne venez pas me poser des questions qui n'ont pas de sens. Tu sors la nuit, fais la libation, pourquoi? Dieu a donné le jour et la nuit, non. Quand vous faites vos incantations la nuit, là, c'est vous qui connaissez. Si vous êtes des enfants des ténèbres, restez avec ça, c'est pour vous là-bas. Mon Seigneur, avec les questions qui n'ont pas de sens. Vous croyez que c'est par hasard qu'on a plaisir de la journée sont plus longues. Parfois tu écoutes des vidéos, tu fais tes lavages. Bien, on te demande un mariage. Il y a une là comme ça aux États-Unis. On se suivait avant sur Facebook comme ça là. Un jour elle tombe sur mes vidéos. Elle voit ce qu'elle fait, elle dit que yeah. Elle dit ok. Bonjour. Elle faisait un peu genre. Toi la fille. Genre oui, moi je vois tout ça, mais bon. Le spirituel, moi, je suis pas trop sur ça. Elle dit, ok. Une nuit, c'était fort. Jusqu'à encore, elle a encore eu des échecs là-bas. Elle m'appelle, elle me dit que, mamie, consulte-moi. Elle lui fait la consultation. Elle dit ce qu'elle doit faire. Après, dès qu'on finit l'appel, elle me dit, non, je ne vais pas faire ça maintenant. Je n'ai pas l'argent. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Paye ma consultation que je t'ai fait là-dessus. Et puis, bye. Elle paye la consultation. Et quand elle a payé, l'esprit m'a dit, là, fais son lavage. J'ai fait son lavage en avance sans qu'elle ne paye. Après, je vois la voyager. Elle revient 2 semaines après, elle me dit, maman, le lavage que tu m'as fait là, attends, je te paye. Parce que vraiment, le genre de paix que je suis en train de ressentir. J'ai voyagé, j'ai eu les opportunités de business, j'ai eu les ceci. J'ai dit, ma chérie, je suis en train de te forcer seulement pour que tu fasses ton travail. C'est vrai, ma tante, toutes ces filles, elles avancent. Regarde, elles sont avec les sénateurs, elles sont avec les ceci. Mais moi, je regarde les enfants de ma mère. Nous, pour là, l'enfant, ça n'avance pas. Il regarde, je dis, ah, tu veux que tu dises quoi?
Moi qui suis, elle achète tous les kits que j'avais mis dans l'hôtel. Elle a peut-être c'est un truc comme 450 $. Elle achète. Elle commence à faire son travail. Un mois et demi plus tard, elle revient et dit, maman, j'ai rencontré un richissime spirituel jeune blanc. Et il veut être avec moi jusqu'à... Elle m'envoie même la photo. Tu les vois sur la photo comme ça. Il donne comme le soleil qui vient de se lever. Elle dit que maman, le tout, c'est là. Moi, je ne veux pas gâter. C'est bon, je ne veux plus. Je ne veux plus courir les risques. Elle dit, ah, tu commences à devenir sage. C'est bien ça, ma chérie. Tant que tu n'as pas fait ton travail, tu vas confirmer. Le gars va te donner la bague, après il va fuir. Peut-être que tu crois que quand vous êtes rencontrés là, les gens là ne savent pas. Vous savez qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Même dans leurs rêves, ils ont tellement voulu voir ce que vous faites que quand tu as une promotion qui arrive, la personne a rêvé, elle connaît. Mahabou l'appelle que la fille là, elle a rencontré encore un homme. Bien ta cousine, tu vois ta cousine là qui veut que t'appeler tout le temps. Tiens, un nouveau copain. Tiens, un nouveau copain. Tu vois ta cousine là. Tu es tout derrière ta cousine. Tu dis, elle dit à sa mère. 2 semaines plus tard, la relation est terminée. Il y a certaines choses que vous avez faites dans le passé par ignorance et par bêtise. Parce qu'on te parlait, tu maîtrisais. Tu as encore souffert, ma chérie. Une autre souffrayette. Tu as bien souffert. 3 mariages ratés, 3 enfants, 3 divorces. Après, tu t'assois, tu dis que non. C'est comme ça, généralement, toi-même, d'abord, tu dois te purifier. Toi-même. Travaille d'abord sur toi. Laisse les gars, laisse, ce n'est même pas que d'abord sur toi. Parce qu'il y a un esprit qui fait qu'à un moment, là, tu les chasses seul. Le matin, je vous donne les phrases qui disent non. Tu es une fille bien, mais trouve quelqu'un d'autre. Oui, mais... Message de l'heure. Il y a le numéro pour envoyer pour la consultation. Non? Et ils vont vous chercher. Ils vont vous calculer. Ah, elle a reçu à partir en Europe. D'accord. Bloquer la fille là. Tu pars à l'asile, on te chasse. Tu fais même l'enfant avec quelqu'un qui a les papiers. Il fuit, il ne reconnaît même pas l'enfant. Tu restes comme ça, tu dis que wonderful. 4 tentatives de papier, rien ne donne. Tu crois que c'est parce que tu as la malchance? Il y a que tu, il y a quoi sur toi qu'on ne peut pas enlever? Et il y en a parmi vous qu'on n'a jamais rien fait sur vous. Donc même un petit truc, même un petit truc pour te protéger, on n'a jamais rien fait. Tu es tellement élan. Tu es ouvert comme la route comme ça. Celui qui veut, il peut passer. Tu es comme la route. Tout le monde peut passer sur la route. Quand vous postez les mêmes messages, je vois vos messages. Ce n'est pas que c'est comme parfois, il ne veut pas me répondre. Et parfois, vous êtes figé dans votre tête que c'est la direction. Si je dis quelque chose, vous n'êtes même pas ouvert pour écouter. Vous ne voulez même pas comprendre. Et il y a certaines parmi vous qui observez les 5 dernières personnes avec lesquelles vous avez été. Parfois, c'est des hommes riches. Mais à la fin, il y a tout quelque chose qui se gâte. Parfois, c'est des hommes riches. Mais on a fait le genre que l'homme n'avait jamais te donné quelque chose. Dit Mema Mvoué. Écris encore maintenant là. Écris. Parce que vous venez vous écrivez seulement une fois, vous vous découragez. Ma chérie, pour ta dîme, tu envoies la dîme et puis tu fais un voice, ou bien non, tu écris ta prière, tu me fais une capture d'écran pour montrer que ta dîme que tu as payée.
et tu mets ta propre prière dessus. Tu restes comme ça, tu observes. Tantôt, c'est peut-être seulement les footballeurs qui te draguaient toujours. Tu arrives à une fête comme ça. Les ministres. Tu ne sais même pas comment. Hein. Vos routes se croisent seulement comme ça. Là. Pam, pam. Oui. Et quand la personne te voit. Au départ, il veut seulement que non. Moi, je veux. Il faut qu'on se marie. Mais comme ton aura est là, il y a l'aura et il y a la protection de l'aura. Il y a la maximisation de l'aura. C'est-à-dire, tu tires le maximum. Comme un champ. Tu peux semer le maïs sans sarcler, sans enlever les herbes d'abord, sans débroussailler. Quand tu vas semer le maïs là-bas, le maïs ne va pas donner autant que si tu avais enlevé toutes les mauvaises herbes, tu avais tourné la terre, tu as fertilisé la terre. Tu as fait des sions, tu as semé, tu as arrosé. Et quand le maïs commence à pousser, ça donne de merveilleux. Après, tu dois même protéger des insectes. Et les voleurs qui vont venir vouloir casser le maïs avant le temps. Donc, avant votre spiritualité, c'était seulement le hasard. Oups. Même les rencontres ne sont pas par hasard. Hein. On ne rencontre pas les hommes sur cette terre par hasard. Déjà, le fait de faire que vos chemins se croisent. Il y en a parmi votre aura est tellement forte. Un aura, une aura, vous avez compris ce que je vous l'ai dit. C'est tellement fort que ils ne peuvent pas empêcher votre rencontre. C'est pour ça que vous devez faire attention aux gens avec qui vous parlez. Oh, je viens de rencontrer le fils du ministre de la Justice. Oh, oh my gosh. Je suis ici au Canada, je l'ai vu, j'ai rencontré à Toronto. Oh my gosh. Ta cousine, à qui tu dis là? Ah, mais tu es sûr? Ah non, non, moi, on m'a dit que le ministre là, son fils là, il faut faire attention. Dès que tu raccroches, elle appelle sa mère. Maman, elle m'a dit qu'elle a rencontré le fils du ministre ici. Maman, pourquoi c'est pas moi qui rencontre aussi les fils des ministres? Ta mère dit, ma fille, ne t'en fais pas. Ne m'en fais pas, je ne t'en fais pas, je vais travailler sur son cas. Te voilà. 3 jours plus tard, il ne t'écrit plus. C'est fini. Vous allez vous éduquer. Je vous ai dit qu'il y a l'école de la spiritualité. Et la première session qu'on est en train de lancer... Il n'y a pas de coût. Je n'ai pas mis de coût sur l'école de la spiritualité. Donc, chacun fait son don qu'il veut et il entre dans cette école. On a déjà commencé, on a fait 4 séances. Donc, il nous reste encore 8 séances. La proposition en mariage qu'il y a eu hier, là, c'est une des filles qui est dans l'école de spiritualité avec nous. Tu as vu le gars depuis 5 ans. Souvent, il t'offre les boucles d'oreilles. Quand il apporte le coffret des boucles d'oreilles comme ça, là, tu dis, hey. Après, il sort les boucles qu'il met sur tes oreilles. Il dit, ok. Il a tendu la bague jusqu'à. Message de l'heure, tu es ennuyeux ou tu es ennuyeuse, si tu es une femme. Ne me saturez pas de messages. Tu peux écrire. Tu écris encore. Mais ne viens pas me mettre 5 messages en une minute. Et je suis sûr que tu n'écoutes même pas un mot de ce qu'il dit là. La preuve, voilà Jonas, non. Jomo, je viens de dire que c'est... Tu me demandes maintenant que ça coûte combien, non? Parce que vous n'écoutez pas ce qu'il dit. Ne vous inquiétez pas, même pour votre propre vie, c'est comme ça que vous allez faire. Est-ce qu'on force quelqu'un sur la fessée?
On va confirmer le code. Couvrir de boucles. La formation s'est faite totalement en ligne. Totalement en ligne. Toutes mes formations, c'est toujours sur Zoom. Donc, quand vous achetez souvent les produits, vous pouvez demander, on vous met ça dans une clé USB, on vous envoie. Vous payez juste pour ça. Et ça arrive là-bas, vous mettez dans votre... Je suis en train de faire des MP3 que vous pouvez jouer dans la voiture. Au lieu de mettre, d'avoir à mettre YouTube, ça prend votre internet. Donc, ça, tu prends la clé USB, tu mets seulement dans la voiture. Donc, j'ai bien l'intention de me sur ce projet-là. Tu vois les gens de ta famille, que tu les vois. En fait, ce sont tes cousines. Tu as l'impression que tout marche bien dans leur vie. Tout marche dans leur vie. Ah. Elle se marie. Le mois qui suit, elle tombe enceinte. Elle accouche. On lui paye ses congés de maternité. Après, elle accouche au premier enfant. Le papa l'envoie à Dubaï comme cadeau d'accouchement. Chercher tous les bienfaits. On lui offre une voiture. Toi, tu accouches, tu deviens la bonne de la maison. Nadine, tu veux faire l'école de spiritualité, il faut écrire 00237-693-50-2266. 693-50-2266. Tu précises que tu veux faire l'école de spiritualité. Que vos dons ne soient pas moins de 25 000. Parce que je ne veux pas que tu vas venir me donner 5 000 francs pour venir. Parce qu'il y a beaucoup d'outils que tu dois acheter pour la formation. Donc tu fais le don, la somme que tu veux. Mais ne m'envoie pas 20 000 ou 20 ou bien, je ne sais pas, 5 000 francs, je ne sais pas sur ça. Parce qu'il y a beaucoup d'outils, tu dois acheter le bâton de commandement, tu dois acheter les chapeaux, et tout le temps tu dois t'équiper pour faire ton travail à la maison. Pendant de manière d'aller tes études, tu peux retrouver la mère au village. Ouais, Seigneur. Je veux que vous commencez à comprendre que tout dans votre vie est possible. Je ne vais pas vous mentir. Sur 10 femmes, 9 et demi ne connaissait pas. Donc tu ne connaissais pas comment te protéger. Ta mère même ne connaissait pas. Ta mère même était tellement simpleton que c'est même elle qui t'exposait aux gens. Dès que tu fais un petit tour, tu as le visa, elle est partie à tout le quartier. Maintenant, tu deviens sage. Tu vois comment toute ta vingtaine, tu aurais pu être stabilisé. Tu aurais pu avancer, tu aurais pu être loin déjà maintenant.
Quand tu essayais un peu, pas on vient te déstabilise. J'ai consulté une dame tout à l'heure. Trois enfants, trois pères différents. L'animosité qu'il y a entre les pères et ses enfants, elle est célorée, elle est. Ne veulent même pas la sentir. Tania Nadège, c'est parce que j'ai la paix dans mon cœur. Là, je suis en paix. C'est quand tu trouves le chemin, comme Jésus a dit qu'il est le chemin, là. Et tu commences à suivre le chemin, tes choses commencent à avancer. Tu n'arrives pas à croire. Mais tu crois finalement. Je sais comment vous avez souffert, je sais. Parfois, même quand tu finis une relation, on te parle de relation, tu ne veux même plus entendre. Donc, il y a un truc en toi là qui te dit que pardon, laissez. J'ai à mes enfants, j'ai à ma maison. J'ai à... Pardon, laissez. Élève les enfants là, ils grandissent. Vous allez surprendre les membres de votre famille. Tu vas rester comme ça là. Merci, Mema. Tu vas rester comme ça. Ta mère va te demander que tu as fait comment pour te marier. Ta propre mère. Mais avant, on savait que tu as l'argent, tu as les papiers, mais on savait que, bon, concernant le mari, on savait que tu as fait comment ma fille. Tu la regardes seulement, tu ris. Oh la mère, si tu savais. Si tu savais que j'ai découvert qui je suis. J'ai découvert que tes frères et soeurs de ces petits qu'on ne peuvent me tenter. J'ai fini deal avec eux cash. Ils tapent dans le rêve. Toutes leurs flèches là ne m'atteignent plus. J'ai fait mes kits de fondation, la mère. Elle dit, kits de fondation, c'est quoi? Hein? Je la mets, je me lave avec le sel. Hein? Amen. Amen, Mela. Le Seigneur qui t'a amené ici continue de t'établir et de te fortifier au nom de Jésus. Moi, je sais qu'il y a toujours de l'espoir. Je sais qu'il y a toujours de l'espoir. Je bénis ta dîme au nom de Jésus. Je déclare sur toi l'abondance, l'ouverture de tes portes. Je déclare que tout trou dans lequel on t'a déposé, on a mis aussi tes finances, tous ces écueils qu'on a creusés pour toi. Je viens l'ouvrir et je te sors de là au nom de Jésus. Papa Yahweh, elle est en train d'amener sa dîme à la maison du trésor. J'enlève les ralentissements sur la vie de ta fille ici présente. Papa Yahweh, j'enlève les découragements, Seigneur. Toute porte qui avait été fermée par l'ennemi, je viens l'ouvrir par cette dîme. Seigneur, je déverse sur elle pendant ce mois de septembre les abondances financières, maritales et physiques aussi, Seigneur. Amen. Donc, je précise que quand vous envoyez vos dîmes, vous envoyez au numéro qui est sur la page. Message de l'heure, je vais te bloquer de ma page. Demain.
Merci, Marie. Épiphanie, je bénis ta dîme et je m'accorde avec toi pour la prière que tu as dit. Au nom de Jésus. J'ouvre tes portes, que les projets que tu as abandonnés depuis longtemps, tu les reprennes maintenant au nom de Jésus. Bintou, il y a une façon de prendre les rendez-vous. Il y a les numéros là-bas. Écris, non. Tu dis que tu veux un rendez-vous. J'ai compris. Oh là là. Il y a certaines énergies que je n'ai pas moi besoin. J'avais fermé. D'accord. Vous devez atteindre un niveau où vous comprenez que si quelqu'un, même si quelqu'un vous avait bloqué, pour moi, si quelqu'un m'a bloqué, c'est parce qu'il avait peur de moi. Tu ne peux pas me bloquer si tu sais que je serai inoffensif pour toi. Donc si tu prends la peine d'aller me bloquer, c'est parce que tu sais qu'il y a un bulldozer en moi. Et si tu as tellement eu peur de ce bulldozer, tu sais quoi? Ça veut dire que on doit mettre le carburant dedans. On doit sortir. Il faut qu'on écrase quelques maisons. Inès Mgwe, je bénis ta dîme. Je bénis toutes les dîmes qui ont été versées dans ce mois d'août qui est passé. Je bénis les dîmes qui ont été versées depuis le 1er jusqu'au 4 de ce mois, septembre. Je déclare sur vous, selon Malachie 3, une abondance de bénédictions au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune arme forgée contre vous ne peut prospérer. Je déclare aussi que cette dîme vous apporte la délivrance des choses que vous avez essayé de vous détacher depuis des années. Voilà. Amen. Il y en a parmi vous, il y a les mauvaises images. Toute personne qui a voulu donner une mauvaise image de vous, je déclare que votre image initiale est pure et restaurée. Au nom de Jésus, amen. Vous allez arrêter d'être une fille du hasard ou un homme du hasard. La vie, c'est intentionnel. Tu arrives quelque part, tu sais que comme je chante là, même si physiquement je ne suis pas la plus belle, mais l'homme le plus riche de cette soirée va me regarder. L'âge n'a pas d'importance. Donc, je pars pour le contrat. Les acheteurs là, ils vont signer, ils vont me payer. Tu as ta conviction à toi. Arrêtez le hasard. Non, arrêtez le hasard. Si les choses sont encore dans le hasard dans ta vie, c'est toi qui as voulu. Parce que tu as rejeté le savoir.
On fait les kits. N'achetez pas. On met les lavages, vous ne faites pas. Et ce matin, il me disait, les ancêtres m'ont demandé de vous dire ceci. Je précise, les ancêtres m'ont demandé de vous dire ceci. Beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup négligé la destinée de vos enfants. Ce qui fait que ceux dont tu as été victime en grandissant, tes enfants sont en train de subir la même chose. Tu es en train de devenir une maman ticone pour tes enfants. Tu ne fais rien pour les protéger. Quand l'enfant est petit, ce n'est pas lui qui choisit les choses. Même s'il a 20 ans, il est encore dans ta maison. Non? Refuse un peu de te laver la vaisselle chez moi, tu vas me dire. Il ne veut pas, il ne veut pas. Il a 12 ans. Ah, tu sais, il est déjà indépendant. Hein? Quand il aura 40 ans, il va commencer à dire, ma mère n'avait rien fait pour moi spirituellement. Monsieur, si vous vivez chez moi, vous étiez aussi indépendant et autonome, mais vous serez chez vous. Hein? Moi, je n'ai pas de soucis. Va, tu payes ton loyer, tu fais. C'est bien. Tu vas me dépanner. Je te dis merci. Tu sais, l'enfant là. L'enfant là. Bonsoir à la reine Nora. Tiens, n'importe quelle étude sur ton enfant. Voilà, la reine Awa qui dit, ma reine, merci pour le lavage au sel. Ça marche jusqu'à le feu sort. Que Dieu te bénisse. Amen. Je reçois une bénédiction en plus qu'elle met dans mon sac. Elle met dans mon sac tes bénédictions. J'ai partagé le témoignage avec vous. C'était un peu ça le but de cette vidéo. Ceux qui m'écoutent pour la première fois et qui ont vraiment la soif de réussir, je sais que vous allez écouter mes vidéos. Pendant les 48 prochaines heures, vous allez tellement m'écouter que vous allez voir rester en entendre ma voix dans votre maison. Alors que je ne suis pas là. C'est généralement vous que vous rêvez de moi. Oh, j'ai rêvé, été vu. Tu m'as tellement écouté que... Tu m'as appelé dans ta maison. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans ma vie. Passez une bonne soirée. Les programmes audio, comme j'ai dit, les MP3, ils seront bientôt disponibles. Ceux qui veulent rejoindre l'école de spiritualité, écrivez seulement, vous dites école de spiritualité. Vous faites votre don et puis on vous passe les vidéos, vous écoutez. Donc ça se fait à distance. On a réunion les lundis. Lundi et jeudi, 21h. Allez un peu me checker. Allez voir ce que je fais. Allez un peu voir plusieurs de mes vidéos. Vous avez suivi. Si vous avez des témoignages, je vais voir la page. Je vais voir si j'ai encore un autre témoignage que je peux lire avant de partir. Thank you.
Bon, ma reine, depuis que j'ai vu la vidéo de l'offrande à l'eau, elle a fait une offrande à l'eau. Voilà ça, les avocats de l'Allemagne qui s'intéressent à moi. J'ai fait la connaissance d'un jeune homme depuis 1 an. Il n'avait jamais voulu me voir. Chaque fois, il avait une raison. Mais hier, il m'écrit. Il me dit qu'il veut me voir. Moi, ça, j'accepte, ma reine, rapidement. Je fais mon bain d'attraction. Donne-moi tout sur ma langue, sur les bras, ma paume de main. J'arrive, le gars est très beau. Le genre que j'aime là. Je vous ai dit ce matin que vous allez avoir les désirs de votre cœur. Ma chérie, tu m'écoutes, non? Tu sais que toi, tu n'es pas laide. Tu es une très belle femme. Je te dis encore. Tu regardes les femmes mannequins là, 11 ans où tu as couché les enfants. Donc, elle dit, le genre que j'aime là, il ne me quitte plus depuis hier, les textos. Je suis aux anges, maman. Il est ingénieur. La voiture de ça, je me suis sentie vivante. Depuis là, je suis électrifiée. Je sens une puissance jusqu'à je dois avec mes pierres. Bonsoir, ma mère. J'ai eu une expérience de fou ce matin. Après avoir pris mon bain spirituel, j'ai mis mon parfum, donne-moi tout. Je vous ai dit que vous devez tous avoir les donne-moi tout. Plus j'ai les témoignages sur les donne-moi tout, plus j'augmente les prix des donne-moi tout. Il y a le donne-moi tout, il y a l'huile de blindage. La femme, au début de cette vidéo, je vous ai parlé du témoignage de la femme qui perdait déjà son bébé. On avait déjà dit que elle perdait les os de 5 mois de grossesse. J'ai envoyé l'huile de blindage, elle l'a mis sur son ventre. Voilà, une semaine plus tard, l'enfant encore dans son ventre. Bien important. Les médecins qui étaient en train de dire que non, il faut qu'on interrompt la grossesse, eux-mêmes sont en train de dire qu'ils sont choqués. J'ai eu une expérience de fou ce matin. Après avoir pris mon bain spirituel, j'ai mis mon parfum, donne-moi tout. J'ai demandé à avoir 1 million pour gérer une situation dans mes affaires. À 16h30, ma soeur m'envoie 500 000 pour que je gère la rentrée. Alors que j'ai fait cela, et avant ça, je lui ai demandé les 1 million. Elle m'a dit qu'elle va voir. Aujourd'hui, après avoir mis mon donne-moi tout, et je demande 1 million, quelle que soit la provenance, elle m'a envoyé 500 000. Et je crois que mon travail spirituel est en marche. Je ne vais pas lâcher. Bonjour la reine Jocelyne, ma reine lumière, je tenais à te partager ma joie. Depuis que je te suis, tes conseils avec assiduité et rigueur, les portes se débloquent. Je viens d'avoir une promotion très importante qui me donne une place très importante dans la société où je travaille. Je suis même passé au-dessus de mon précédent directeur. Celui-ci avait fait quelques lavages et il a fait, on avait fait l'eau. Je suis allé à l'eau avec son cas. Bonsoir ma reine, je tiens à te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi, malgré le fait que je n'ai pas encore pu acheter le kit chez toi. Mais j'applique ce que tu dis. Lavage au sel, pipi, rituel de matin avec le soc. Grâce à ces conseils, je sens un changement dans ma vie. Je ne suis plus simpleton. Je vais payer ma dîme pour la deuxième fois depuis que je suis née. Je suis quitté de 9 000 francs à 8 500. Elle est quittée de 900 francs, pardon. 900 francs, voilà ça, 900. Attendez si je peux vous montrer. Voilà 900. Ici, 900. Elle payait 900 de dîmes. Maintenant, elle paye 8 500. Ça veut dire que son revenu est quitté de 900. Ça veut dire qu'elle avait 9 000 francs. Oui. Maintenant, elle a payé, elle a eu 85 000 francs. Je rends grâce au Tout-Puissant et j'ai la ferme conviction que la prochaine fois, ce sera le quadruple de ce que j'ai payé aujourd'hui. Et par là, je paierai aussi mes kits. Je cherche un autre témoignage. Bonjour ma reine, je vais même commencer par où? J'ai suivi une vidéo où vous conseillez aux gens d'utiliser le pipi les 7 premiers jours du mois. Donc depuis le 1er août, je le fais jusqu'au matin où je vais un songe dans lequel je vois un songe dans lequel on m'a tendu un piège pour m'enfermer dans la maison de ma belle-mère.
J'étais à l'intérieur et tout était bloqué. Il n'y avait pas d'ouverture. Je me suis mise à fouiller jusqu'à trouver une fenêtre à moitié fermée. Et c'est par là que je suis sortie. Elle m'a vu, elle a mis un groupe de personnes derrière moi. J'ai tellement couru. À un niveau, j'ai tendu mes deux mains vers le ciel et j'ai appelé le Seigneur Jésus-Christ. Aussitôt, je me suis sentie remplie d'Esprit Saint. Notre Seigneur est réel, ma reine. Et le pipi marche. Je rends grâce à Dieu pour ma délivrance. Il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Mille merci, brave reine, pour tes enseignements. Que le Tout-Puissant te fortifie davantage. Depuis que je suis tombée sur tes vidéos, il y a beaucoup de changements dans ma vie. Et j'ai parfois l'impression que je sors d'un coma profond. Merci, merci. Tes enseignements sauvent des vies. Nous quittons de Saint-Péton à Sage. Je n'ai pas encore acheté vos kits. Mais je vous dis toujours que quand vous commencez à m'écouter, certaines personnes, vous m'écoutez, vous n'avez même pas 5 francs dans vos poches. Ton pipi ne se paye pas, ma chérie. Prends ton pipi, tu achètes le set de 50 au quartier, tu utilises. Voilà les témoignages des gens qui ont fait le pipi. Je n'ai pas encore acheté vos kits, mais ce mois, si je n'ai pas le bracelet blanc, rose, œil de tigre, elle a mis ce mois, si j'ai pris le bracelet œil de tigre, blanc, rose, vraiment, ça marche, que l'Éternel vous bénisse. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Je me nomme, bon, je ne dirai pas son nom. Je suis camerounaise, en fait, je vous suis depuis bientôt 2 semaines. Déjà, et j'ai décidé de vous écrire aujourd'hui. Il y a cela quelques jours, plus précisément le 26 juillet, je suis tombée sur une de vos vidéos de TikTok. Et dans cette vidéo, vous étiez en train de faire un enseignement sur le lavage au sel. C'est vrai, je le faisais avant, mais pas comme ça. Je le faisais avant, juste comme ça. Mais le 27 juillet matin, avant de sortir, j'ai pris mon bain au sel. Et j'ai demandé au Seigneur de me protéger contre tout accident. Je suis sortie, je me rendais chez une patiente pour lui faire les soins à domicile. Je suis infirmière. J'y suis allée, j'ai fait les soins. À mon retour, j'ai échappé à un grave accident. Je dis grave parce que s'il s'était produit, c'est aujourd'hui que je serais peut-être morte. Je rends grâce à Dieu. Et depuis ce jour, j'ai commencé à vous suivre sur toutes les plateformes. Gloire à Dieu pour ton témoignage. Coucou ma reine d'amour, mon cœur est dans la joie. Entre le jeûne et la prière de mercredi, le bain de sel avec les urines le matin et le soir, le lavage à distance du 1er. Elle avait payé pour le lavage à distance du 1er août. En passant, ceux qui n'ont pas encore payé pour le lavage à distance, vous pouvez le faire. Quand tu nous demandais de danser et de recevoir nos papiers et visa ma reine, j'étais moi debout dans mon salon en train de danser. De danser mon baladé que je reçois les papiers de mon fils et dans le nom de son fils, au nom puissant de Jésus. Que ce qu'on met 6 mois avant de répondre aux gens, le mien sera avant la fin du mois d'août. Et voilà que bim, je reçois la convocation aujourd'hui avec un avis favorable, carte circulaire et sa nationalité à ses 18 ans. Je tiens à préciser que mon fils est arrivé en France le 25 novembre 2020. Ça fait même pas encore 2 ans. Sans visa. Bien que je sois française et je ne l'avais jamais déclaré pour des raisons de famille dont le dossier était très compliqué, que oh, on va faire le test d'ADN pour être sûr que c'est votre enfant. Je viens glorifier le nom du Seigneur et je dis merci à toi, ma reine, sois abondamment bénie. Bonjour ma reine, je te suis depuis plusieurs mois et j'applique tout ce que tu nous dis à la lettre. C'est-à-dire, je me lave au sel, le pipi, je lis les psaumes appropriés. Le lavage à distance, ça se paye à... par Orange Money ou MTN Money. Ou bien si tu es à l'étranger, tu payes par PayPal. Ou bien tu fais un Western Union. Ok, le lavage à distance, c'est 55 euros ou 56 dollars. Dans certaines vidéos, vous allez entendre 50 euros. Hein. En France, c'est 33 800. Donc, voilà ce qu'elle dit. Je n'ai pas encore pu acheter les produits chez toi, ma reine.
Je viens ce matin faire mon témoignage. J'ai fait un rêve la nuit dernière. J'étais sur la moto avec le bébé de ma copine. On est passé par le marché Dakar et je voulais acheter les prunes. Voilà que la moto s'arrête. Je tends l'argent à la vendeuse. Au lieu de me donner les prunes, elle me dit plutôt que j'ai un truc à faire sur toi. Suis-moi. J'avais peur puisque je ne la connaissais pas. Sa voisine me dit, vas-y. Voilà que j'entre dans le magasin de cette femme. À ma grande surprise, je vois les malades couchés avec les perfusions. Elle me dit, couche-toi ici. Chose que j'ai faite. Elle envoie directement sa main dans mes voies génitales. Je crie que ça fait mal. Je vois, elle enlève 5 noix de palme. Et me montre en me disant, voilà ce qui te bloque. Et directement, je me suis réveillée. Ma reine, à travers ce rêve, je dis grandement, merci pour tes conseils. Je sais au fond de moi que dans si peu de temps, j'aurai de l'argent pour acheter les différents kits. Merci encore. Et encore après, toi, après toi, c'est le virage. Vous êtes marrante. Après toi, c'est le virage, ma reine. Vous m'amusez souvent à vos témoignages. Ma reine, je n'ai pas de mots juste pour... Je n'ai pas les justes mots pour vous gratifier. Croyez-moi, d'abord, vous avez boosté ma foi. Et je vous assure que même si ça ne va pas encore très bien, j'observe tellement de changements dans ma vie depuis que je vous suis. Et je prends mon bain de sel. Ma reine, permettez-moi de venir à ma cape et passer même une nuit. C'est pas... Passer même une nuit avec vous. Vous couronnez tout. Si je pouvais, je vous offrirais une voiture. Car pour vous, c'est rien, mais... Ce que vous avez engagé là a bouleversé ma vie. Et grâce à vous, je passerai moins qu'à domicile. Vous voir. Car c'est beaucoup trop dans mon cœur. Je pleure de joie, maman Joséline. Vous m'amusez souvent. Et quel est... Une autre qui a dit, je viens de témoigner le succès de mon fils au bac. Gloire à Jésus. Ma reine, depuis l'offrande à l'eau, j'entends la voix de l'esprit dans mes rêves. J'ai rêvé cette nuit, j'ai pris un œuf à coquille blanche dans un sac devant la porte de derrière de ma maison familiale à Yaoundé, un sac transparent. L'esprit m'a dit, c'est une barrière. Et toujours cette même nuit, je me vois en train de prendre le dessus sur l'un de mes ennemis. Vers 5h30, j'assiste à une bagarre générale. Une dame que je connaissais et une autre que je ne connaissais pas. Celle que je connaissais a beaucoup frappé celle que je ne connaissais pas. Et le fils de celle que je ne connaissais pas a demandé à l'autre dame que je connaissais de ne pas tuer sa mère. Et en descendant, j'ai vu cette dame que je ne connaissais pas assise le dos tourné. Je me réveille, je vois une étoile dans le ciel pointée vers moi. Ma reine, c'est rare ici en France de voir une étoile dans le ciel. Donc je pense que celle-là, le Seigneur l'a montré la victoire qu'elle avait sur ses ennemis. Sacha, fais d'abord le lavage à distance. Dieu, si tu ressens la délivrance, ça veut dire que tu as été délivré. Ah, voici un autre témoignage. Aussi, j'ai fait le bain de pipi du matin. Depuis lors, je me sens très fatiguée, en plus de la fatigue de grossesse. J'ai mis du sel dans l'eau. J'ai mis mon pipi. J'ai lu le verset et je me suis lavée ce matin. Après le bain du soir, des gens sont venus dans le rêve. Dans mon rêve, la nuit me dit d'arrêter de te suivre et d'arrêter mes prières. Sinon, il y aura des retombées. Ça m'encourage à continuer encore. Je vais continuer. Bonjour ma reine Jocelyne, j'ai eu ma délivrance cette nuit. Comme vous nous parlez toujours, on refuse d'écouter. Il faut nous chuchoter maintenant. Cette nuit avant de dormir, j'ai rangé mon eau salée dans le verre transparent. Avant de dormir, après avoir prié dessus. Oh, ma reine, j'ai tout vu. Comment les serpents sortaient de la maison. Comment on a retiré les choses mystiques au bas de mon lit. Comment j'ai combattu avec une petite fille sorcière qui avait l'apparence de ma ménagère. Jusqu'à j'ai pris le couteau de cuisine et l'a tué à coups de poignard en criant au nom de Jésus. Comme j'ai étranglé les gens, oh maman. Merci ma reine pour mon cœur.
Merci la reine pour mon cœur. J'avais une force inhumaine. Je criais seulement Jésus, Jésus. Ouais, je suis fatiguée de lire les témoignages. Ça, c'est les témoignages même qu'on me dit, que vous m'avez dit. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des témoignages. Vous ne partagez pas. Je ne sais pas pourquoi. L'offrande à l'eau, ça coûte 50 000. J'ai prolongé la promotion pour une semaine encore. Après, ça, c'est 100 000 francs. Tu as compris? Il n'y a que comment faire l'offrande à l'eau. Il y a tellement lu. Sur la page, il y a plein de témoignages. Il y a tellement de témoignages. Bon, pratiquement la lecture. Bonsoir ma reine, je suis une jeune Camerounaise âgée de 34 ans. Je vous suis depuis 2 mois. Et demi, lorsque je suis tombée sur votre vidéo, ça a été la connexion totale. Je me suis directement abonnée. Je suis les vidéos tous les jours. J'ai commencé à acheter, par acheter les sels avec les encens. Je donne moi tout. Et j'ai fait toutes les astuces à la lettre. Je paye ma dîme. Et comme cela, j'ai eu l'ouverture pour acheter le kit déblocage plus plus. Je suis également dans Zoom, le groupe de prière. C'est la troisième fois que vous venez dans mon rêve. Et cette fois, c'était pour me dire que tous les blocages sont tombés. Et que si je continue avec les produits, ce sera juste pour les bénédictions. Je rends grâce à Dieu pour vous et pour moi. Bon, bonsoir ma reine, je suis Tatata. Je viens faire mon témoignage. Waouh, ma reine, durant mes bains, j'ai demandé un contrat, un bon contrat pour mon mari. Et on l'a appelé dans un institut où il a déposé le dossier depuis 2 ans. Waouh. Deux ans. Maintenant qu'on prend son dossier, waouh. Bon, je viens faire mon témoignage. Je vous suis depuis plusieurs mois. Et je partage vos conseils sans toutefois les pratiquer. Donc, un partage aux gens, mais ne fait pas. Il y a cela quelques semaines que j'ai commencé avec le sel. Jour et nuit. Plus que j'ai envie de me faire consulter. Je suis resté avant-hier. Une idée m'est venue de faire les croquettes. Et j'ai posté. J'ai fait et j'ai posté sur mes statuts. Une minute après, j'ai eu la commande de 3 bouteilles. Vraiment, merci, je suis dépassée. Je ne pouvais jamais imaginer cela de moi venant. Vraiment, merci beaucoup. Et en passant, le lavage des urines est très, très efficace. Sans vous mentir, je vois beaucoup de choses qui changent dans ma vie. Merci. Bonjour, ma reine. Reçois la bénédiction de Dieu infiniment. Hier, pendant le direct, je baillais énormément. J'étais extrêmement fatiguée, mais j'avais des courses à faire. J'ai pu m'allonger. J'ai fait ce que tu nous as demandé le matin. J'ai fait avec le sel, j'ai ouvert les fenêtres et l'eau sur le direct, l'eau du direct. Le soir, j'ai lancé l'eau dans tous les coins de la maison en leur donnant 2 semaines pour partir. Cette nuit, je me réveille, j'ai envie de faire pipi. J'ose pas me lever, l'esprit insiste, va faire pipi. Au final, je me lève, j'arrive dans la salle, je trouve un gant de toilette par terre. Je ramasse, je range, je reviens me coucher. Je réussis à trouver le sommeil, j'entends un homme sortir rapidement dans le coin où se trouve la télévision. J'entends plein d'oiseaux et toutes sortes sortir de ma tête, accompagnés des cris. J'ai retenu les cris du corbeau. C'était tellement beaucoup, ma reine. Je ne cesserai jamais de te suivre, reçois abondamment la bénédiction du Saint-Esprit. Et après, il dit, au total, 11 personnes qui sortent de ma maison. Je crois que c'était la suite, j'avais demandé de prendre de l'eau, de lire le psaume 35. Et de verser ça avant de se coucher, de lire, de verser ça dans la maison. Et de commander à tout mauvais esprit, toute entité, de sortir. 11 personnes sont sorties de sa maison. Témoignage du kit attraction. Le premier jour que j'ai commencé à utiliser cela pendant ma prière, j'ai vu une image de moi assise sur le tabouret et une longue chaîne attachée sur mon pied droit. Les poudres que j'ai mises dans le yaourt et celles que je bois avant de me coucher font des merveilles. Depuis 2 jours déjà que j'utilise le kit attraction. Tous les 6 heures du matin, je vomis. La gorge était
lourde, comme si j'avais un caillou qui était coincé. Maintenant, ça ne l'est plus. Mon chéri, c'est le love que tu veux voir. Elle a déjà fait le kit d'attraction. Elle dit que son gars est devenu. Il est devenu amoureux jusqu'à. Un autre témoin. Ma reine, vraiment, la poudre de désenvoûtement a désenvoûté mon mari. Oh, j'ai fait encore le témoignage dessus. Le gars répond mal. Et le gars est devenu doux comme un agneau. Il ne fait plus allusion à cette femme qui le manipulait, ni aux enfants de dehors. Donnez-moi alors les likes. Donnez-moi les likes de ma vidéo. Facebook, si parfois vous dormez trop, c'est pour ça que vous commencez à m'énerver, moi. Souvent, vous êtes vous êtes vous. Bonsoir, Reine Mafo. Je suis une votre fidèle auditrice. Depuis l'année que je vous suis, sans consultation, je me lave avec le sel de cuisine dans l'attente de livraison de mes produits que j'avais commandés. J'avais aussi fait mon lavage du mois, lavage à distance. À peine reçu mes produits et commencé les lavages au sel, et suivant et pratiquant vos vidéos, ma vie et mon moral ont repris. J'ai commencé à avoir des projets, comme retourner à l'école, passer mon examen. Je suis devenu comme un oiseau sorti de cage. J'ai commencé mon traitement par le kit déblocage. Le mois suivant, le kit fondation. Dès que j'ai commencé le kit fondation, le quatrième jour de mon bain, j'ai reçu des témoignages de mes sœurs. Chacune trouvait une solution à leurs activités. Une de mes sœurs faisant dans le business était bloquée, n'avait pas de contrat. N'avait pas de contrat de marché. Elle a eu deux contrats de marché pendant mon jeûne et mon traitement. Je passe signaler que toute ma famille se lavait au sel depuis 7 mois. La paix règne dans la famille, ma reine. Merci pour vos conseils. Elle est témoignée jusqu'à. Je crois que je devrais faire des séances de témoignage au moins une fois par semaine. Il y a tellement de témoignages. Et bien, monsieur, où j'ai envie. Oh, vous savez, je suis plus populaire au Gabon qu'au Cameroun même. Au Gabon, je ne peux pas marcher une heure de temps sans qu'on ne me reconnaisse. En fait, pour les 30 minutes, il y a au moins deux personnes. Donc, je suis là, en bordure de route. Je vois ce monsieur. Bonjour, madame. Il vient vers moi. Oui, je vous suis sur TikTok. Il dit, ok. Mettez en pratique ce qu'il dit. Au début, il dit d'abord non. Il dit, oh, il faut mettre en pratique. Il me dit, non, je mets en pratique. Certaines pays, il me dit pour le bain de pipi, tu as fini. Il arrive, j'ai presque fini. Sinon, puis je mets du sel et tu fais frire d'abord. Il me dit donc qu'il avait sa tante chez qui il vivait quand il était petit. Il dit que sa tante connaissait l'astuce du pipi, sa tante et son oncle, et il faisait ça. Ils montraient à leurs enfants. Il me dit qu'aujourd'hui, ces cousins-là sont très bien placés. Ils ont fini leurs études. Ils ont des bons boulots. Je lui ai dit que c'est comme ça que vos oncles et tantes font. Ils connaissent. Ndien Mema, si tu veux, je ne connais pas les noms des gens sur Facebook. Va écrire sur WhatsApp sur la consultation. Arrêtez de faire vos trucs-ci-là. Dis que je ne t'oublie pas pour la consultation. Je vais savoir que ton numéro, c'est quoi. J'ai 559 messages non lus sur WhatsApp.
faut voir si elle m'a augmenté. Ouais, c'est 552 maintenant. Voilà, voilà mon WhatsApp. Voilà ça. 552 messages non lus. Aidez-moi aussi souvent. Souvent, vos pères, vos tantes connaissent ce qui peut vous aider. Ils donnent à leurs enfants. Ils ne vous donnent pas. Tu es là comme ta mère était amoureuse depuis là. Tes cousines sont mariées, non? N'est-ce pas? Après, il fait dire, en tout cas, ça va, Dieu va aider. Je lui dis que non. Arrête. Je vous parle dans les vidéos tous les jours. Comme tu es tombé sur mes vidéos, je suis sûr que tu ne fais même pas ce qu'il dit dans les vidéos. Et toi-même, tu me dis que ta tante, ton oncle et leurs enfants faisaient la suite du pipi. Et aujourd'hui, les enfants sont bien. On vous amène seulement à ta chaud. Amen, grâce divine. Parfois, je vois quelqu'un qui dit, mais tu vois que c'est ce que la tante n'a pas fait en cachette pour sa fille. Maintenant, tu tombes sur mes vidéos, je t'ai dit. Et je t'ai dit d'aller faire. Tu ne veux pas faire. Pourquoi? Tu es bête. Tu es fou. Hein? On t'a attaché que comment? Viens un peu, je te tape ta tête là-bas. Viens, tape ta tête. Et tape un peu ça bien. Ta mère qui pouvait faire n'est plus là. Accepte. Et pff, ta mère est morte. Elle ne peut plus faire pour toi. La consultation, c'est 33 800. 33 800. Donc, vous écrivez pour ça. Bon, je vais vous laisser. Bonne soirée à vous. Est-ce que vous croyez que quand vous faites votre travail, c'est d'abord pour moi? Avant que ton argent ne touche ma main, que ça d'abord touche ta propre main. Quand les choses marchent, n'est-ce pas, l'argent vient dans ton compte? Est-ce que ça vient dans mon compte? C'est ta part, non? Voilà. Non, il faut comprendre alors.